Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto home déco qui consiste à faire un cadre avec 14 cartes. Donc pour faire cette carte, vous allez choisir donc une feuille 30-30 de papier décor et tracer le schéma suivant. Donc sur le schéma, vous avez toutes les dimensions, vous tracez telle qu'elle et vous notez bien les numéros de chaque partie qui sont inscrites en rouge, puisque chaque morceau représente une carte. Ou plusieurs morceaux représentent une carte. Une fois que vous avez donc découpé tous vos morceaux, vous les mettez dans l'ordre et on va donc constituer chaque carte les unes après les autres. Et je pense que ce tuto se fera en plusieurs vidéos. Donc, pour la première carte, donc, vous avez cette partie-là. Donc, alors, il vous faudra pour monter vos cartes donc 14 morceaux de cardstock qui font 10,5 par 15. Donc moi j'ai choisi de faire un thème dans les noirs, blancs et rouges. En fait c'est pour décorer ma scrapbook. Je vais donc mater mes pièces de décor. Donc j'ai découpé un morceau de cardstock rouge qui fait 9 sur 14,5. Je vais donc venir mater ma carte
de cette manière. Donc vous voyez, hein, j'ai bien reporté donc les numéros. Une fois que j'ai découpé toutes mes pièces, j'ai les numéros. Donc cette pièce-là fait 8,5 par 14 cm. Et c'est la pièce, il n'y a qu'une seule pièce pour la première carte. Donc je vais venir la coller sur mon cardstock rouge pour maté. Donc pour confectionner votre cadre, vous choisissez un thème. Donc moi, c'est sur le scrap, puisque je veux ce cadre pour décorer ma scrap room. Donc je centre. Comme ceci, et je vais venir donc coller en centrant sur ma base noire. Je centre ma carte. Et donc sur chaque carte, je mets un sentiment. Et je décore. Donc pour ma première carte, j'ai choisi ce sentiment. Donc la définition du scrapbooking, loisir créatif dangereux qui a parfois tendance à rendre ses adeptes addicts, voire complètement hystériques. Donc mon sentiment, je l'ai découpé donc sur 8,5 sur 5 et j'ai découpé donc un matage rouge de 9 par 5,5. Je vais venir coller mon sentiment sur mon matage. Le centrant. Et pour décorer, alors j'ai choisi cette décoration brillante qui m'a été offerte par Scrap en couleur. Donc je vais assembler. Voilà, je pense que je vais le faire comme ça. Donc, je vais déjà mettre mon sentiment.
Alors, je vais essayer de centrer correctement. Voilà, je vais la mettre à peu près là. Comme ceci. Et je vais venir poser tout simplement donc ma fleur. Donc, j'ai ma fleur que je vais venir déposer de cette manière. Comme ceci, et je vais venir mettre des strass. Je vais mettre des strass argentées. Voilà, je vais en mettre 3. Et donc, ma première carte est terminée. Je la mets de côté et on va passer à la deuxième. Donc, la deuxième carte était confectionnée. Vous avez découpé pour la deuxième carte. Tout ce que j'ai préparé, vous aviez ces deux bandes. Donc je prends toujours mon cardstock de 10,5 par 15. J'ai découpé dans du cardstock rouge pour mon matage deux bandes de 1 cm, non, 1 cm 5 sur 14,5. Donc je vais venir mater mes deux bandes de décor. Donc je vais déjà coller ça. Et je vais venir coller mes deux bandes de chaque côté. Après, pour la déco, vous faites comme ça vous chante. Prenez les couleurs
Il faut partir de votre papier déco et après accorder les couleurs suivant la feuille de papier déco que vous prenez. Ceci, et j'ai fait pour la décoration une découpe de fleurs. Donc toutes mes décorations, je les ai faites donc sur du papier brillant rouge, que ça ressorte bien. Je vais venir donc coller ma découpe comme ceci. Et j'ai fait un petit sentiment, scrapeuse, papoteuse et fière de l'être. Donc je vais déjà coller ma fleur. Alors, comme c'est une fleur que je peux... les pétales s'articulent, je vais juste faire les contours pour pouvoir donner du relief. Ma fleur en relief, j'espère que ça ne brille pas trop, que vous voyez. Il me reste à mettre mon sentiment que je vais venir placer donc en dessous. Et je vais venir mettre demi-perle, oh, ça suffit, par-ci par-là. Et ma deuxième carte est terminée. Je la mets de côté. La troisième carte. Donc la troisième carte, on avait donc un papier décor de 8,5 par 7 cm. Donc